Ben, en fait, avec du correcteur, je vais enlever toutes les merdes qui sont sur la plaque pour pas que ça se reproduise après sur le dessin. Et là, ici, je vais faire comme si c'était Photoshop. Je vais effacer le fond, c'est pas beau. Voilà, tout fond a complètement disparu. En fait, il faut prendre la peinture, la mettre dessus, et avec le rouleau étalé. Il faut bien que la planche tournée, pour que ça frappe. Étaler la peinture. Une fois que 250 kg de pression ont appuyé, ça devrait apparaître avec la peinture comme ça. Voilà.